tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 18 mars, un pontificat qui s'annonce résolument différent. Le pape François réunit ses fidèles à travers le monde pour sa messe inaugurale. Nous irons voir comment les fidèles et religieuses tourangelles ont vécu ce moment solennel à la basilique Saint-Martin. Le domaine de Chambord met en garde les voleurs de haut vol. Une vingtaine de gendarmes du PSIG, une unité spéciale, s'est rendue sur place cette nuit pour un exercice d'intervention particulier au sein du château. Et puis à Villebarou, dans le Loir-et-Cher, les calèches remplacent les bus de ramassage scolaire et cela fait le bonheur des enfants. Nous les avons accompagnés sur le chemin de l'école ce matin. Bonsoir. La messe d'inauguration du pape François réunit des dizaines de milliers de fidèles à travers le monde sur la place Saint-Pierre à Rome. Et puis à Tours, la basilique Saint-Martin a suivi en direct ce rendez-vous historique devant un écran géant. Vous le voyez, hein, un moment solennel empreint d'une grande émotion. Je vous propose d'écouter les réactions de certains fidèles et religieuses. J'aurais pu rester chez moi devant ma télévision peut-être, mais je trouve que ici on le vit entre chrétiens, entre frères. Son homélie, c'était pas l'homélie d'un théologien, d'un jésuite, c'était l'homélie de n'importe quel prêtre. Et je crois quand même que ce sont des paroles qui sont très fortes, qu'on a besoin d'entendre, des paroles de paix, des paroles de simplicité, de charité. Très émouvant parce que c'est la première fois que je vois une cérémonie de ce genre. J'ai jamais eu la chance de voir, mais ça fait chaud au cœur. Parce que le pape, en nous appelant à une église pauvre, veut tout simplement nous conduire, il veut nous ramener à quelque chose. Eh bien, c'est pas la richesse, le clinquant qui rend heureux, c'est de savoir, eh bien, de s'aimer les uns les autres, de se regarder les uns les autres, de s'accepter tel que nous sommes les uns les autres, de nous emmener plus loin les uns les autres, et c'est ça qui donnera de la joie dans notre monde qui en a tant besoin. Et depuis 18h30, c'est l'archevêque Mgr Aubertin qui célèbre la messe à la cathédrale Saint-Gatien. Quand les passions amoureuses dérapent, cela peut devenir dangereux. À Loche, l'incendie d'un immeuble de Val-Touraine Habitat samedi était bien d'origine criminelle. C'est l'un des locataires, un jeune homme de 27 ans, qui avouait avoir mis le feu aux vêtements de sa compagne qui venait de le quitter. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se rendre à Loche. On a appris cet après-midi que 5 familles sur 7 seront relogées ce jeudi. Le château de Chambord met en garde les voleurs de haut vol. La nuit dernière, une vingtaine de gendarmes du PSIG, une force de frappe spéciale, s'est prêtée au jeu d'un exercice d'intervention pas comme les autres. Tout droit, venus de Vendôme, Blois et Romorantin, ils ont été guidés par la garde républicaine du domaine. Brian Bock. Le soleil se couche sur le château de Chambord. En cette saison pluvieuse, c'est 1700 personnes qui visitent le monument par jour. À la nuit tombée, l'édifice retrouve enfin le calme. Les visiteurs et le personnel ont quitté le château. Mais vers 21h, dans la chambre de François Ier, une présence indésirable a été détectée. Eh bien, on va simuler, bien évidemment, des personnes qui se sont introduites illégalement dans le château après les horaires de fermeture, soit pour voler des objets d'art, soit pour commettre des dégradations. Ces personnes auront été détectées. Il ne s'agit en effet que d'un exercice de la gendarmerie du Loir-et-Cher. Un exercice qui permet aux gendarmes des pelotons de surveillance et d'intervention de travailler directement sur un monument pour déloger des intrus, tout en veillant à l'intégrité du lieu. On va essayer de passer dans les lieux sans heurter quoi que ce soit comme œuvre. Et puis surtout, la consigne, c'est évoluer dans un monument qui est meublé. Donc c'est aussi fait partie des contraintes. Cet entraînement est une première pour les gendarmes habitués à travailler sur des sites industriels comme la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Le château de Chambord, le plus grand château de la Loire, était donc le lieu idéal pour s'entraîner grandeur nature sur un monument. Il était intéressant qu'il puisse s'acculturer aussi à pouvoir travailler dans un site particulier, fragile et sensible. Fragile parce que, évidemment, quand on progresse dans des salles où il y a des collections avec des œuvres d'art fragiles, sensibles, eh bien, ça nécessite une certaine adaptation. L'exercice aura duré près de 3 heures. Il sera renouvelé le 8 avril prochain pour acclimater au mieux les gendarmes à ce joyau de la Renaissance.
L'œuvre urbaine de Daniel Buren est-elle menacée? L'artiste en charge du design du tramway et de son parcours a été rappelé à l'ordre par l'architecte des bâtiments de France qui vise précisément les deux kiosques colorés de 6 mètres de diamètre qui devraient être installés place Choiseul. Pour l'architecte des bâtiments de France, ces deux attrape-soleil, comme on les appelle communément, pourraient être un obstacle à la vue sur la Loire et sur le centre historique de la ville. Le 37e parallèle, ça ne vous dit peut-être rien, et pourtant à Maîtré, une dizaine d'associations tourangelles résideront bientôt sur le site des Grandes Brosses. 2500 m² de terrain de jeu pour la culture Made in Touraine. 3 500 000 euros ont été déboursés pour ces travaux de grande ampleur. Jérôme Malin. Voilà à quoi ressemblera la fabrique des arts de la rue qui devrait ouvrir début 2014 sur la commune de Maîtrée. Une fabrique qui porte bien son nom puisqu'elle réunira 10 associations mêlant théâtre, danse et marionnettes. Des associations tourangelles qui créent et diffusent chacune le spectacle vivant depuis plus de 10 ans. Le 37e parallèle non donné au lieu va voir la création d'un studio, d'ateliers de fabrication, de salles de répétition et d'un chapiteau attenant au futur bâtiment. Bref, un espace dédié à la création, à la rencontre et au foisonnement artistique dans tous ses états. Ça va devenir un lieu de référence par la qualité du travail qui a été mené et par le fait aussi qu'on pourra là aussi faire en sorte que les compagnies travaillent ensemble, y compris sur des projets plus importants qu'elles n'avaient peut-être pu le faire aujourd'hui. Encore que pour certaines, elles sont allées travailler, y compris à l'étranger, pour la présentation de leur spectacle. Le coût des travaux s'élève à 3 500 000 euros, financé par Tour Plus à un peu plus d'1 500 000 euros, par le Conseil Général à un peu plus d'1 million et par la Région Centre à hauteur de 840 000 euros. Les bus de ramassage scolaire ne sont plus à la mode aujourd'hui. À Villebarou, dans le Loir-et-Cher, ce sont les calèches qui emmènent et récupèrent les enfants à l'école. Ça change donc pour une quinzaine d'enfants qui s'amusent de ce parcours original. Une première en Région Centre, Jérôme Alain. Depuis hier, la star auprès d'une petite centaine d'écoliers, c'est Antoine. Ce cheval de trait breton est chargé d'amener chaque jour une quinzaine d'élèves depuis leur domicile à l'école de la commune. L'initiative est pilotée par la ville et gérée en régie municipale. 30 000 euros ont été investis pour l'achat de la calèche et du trait breton. Et après deux matinées, le concept fait déjà l'unanimité auprès des enfants comme des parents. Ce matin, ils sont réveillés plus tôt que d'habitude. Ils étaient à 6h30 debout en attendant la calèche ce matin. Donc, ils sont très contents. Je trouve que c'est mieux que la voiture parce que déjà, ça pollue moins. On peut voir ses amis, on peut parler. Alors que quand on est en voiture, bah, on n'est pas dans la même voiture. Donc, on ne peut pas parler entre amis. Et après, je trouve que c'est bien parce que j'aime bien le cheval. Chaque jour, le parcours change pour Antoine et son cocher Marine. L'objectif étant de proposer le ramassage équipate au plus grand nombre d'écoliers. Au total, et jusqu'à la fin de l'année, ils seront 80 par semaine à embarquer à bord de l'hippomobile. Nous avons créé un projet en fait depuis 2010 qui s'appelle le PAVO, P-A-V-E-A-U, qui est le plan avenir de Villebarou en termes d'environnement, d'animation et d'urbanisme. Et nous avons développé la qualité de vie en allant au-delà, c'est-à-dire l'environnement et le développement durable qui est notre fil conducteur. Et ce fil conducteur, la municipalité va le faire vivre au-delà du ramassage scolaire puisque d'autres animations vont être menées en lien avec Antoine qui affiche 3 printemps. Des sorties avec les personnes âgées sont prévues ainsi qu'une collaboration avec les agents communaux chargés des espaces verts. Antoine a en tout cas de belles aventures à vivre d'ici la fin de l'année scolaire et dès septembre prochain puisque l'opération devrait se poursuivre à la rentrée prochaine. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Dominique Daillé, président de Pour une CCV durable. À tout de suite.